Salut tout le monde, c'est Kisame et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coup de gueule. Là, je vais vous parler de Assassin's Creed Shadow. Quelle honte ce jeu-là de Ubisoft Montréal! Quelle honte, n'importe quoi! Ils ont sorti quoi? Ils ont sorti un samouraï en perso principal noir de 2 mètres qui fait 150 kilos, n'importe quoi! Non, mais sérieusement, qui va croire 2 secondes à ce samouraï qui s'inspire soi-disant d'un personnage historique? Qui a certes réellement existé mais qui a jamais été samouraï. Je veux dire, qui peut croire une seule seconde qu'un samouraï qui est censé être discret, rapide, qui maîtrise parfaitement les arts du kendo, etc. depuis la tendre enfance, qui font ça depuis 30 ans, ça peut être un ancien esclave qui fait 2 mètres et 150 kilos, alors qu'ils sont censés être discrets et tout. Mais je veux dire, c'est pas crédible une seule seconde. Historiquement, ça n'a aucun sens. C'est ridicule, c'est n'importe quoi. C'est honteux. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est juste honteux. Voilà. En plus, les gars là de Ubisoft, ils ont carrément été embauchés des mecs pour changer Wikipédia de Yasuke en disant qu'il était samouraï, etc. Ils ont changé les Wikipédia sur toutes les langues et tout. Ils ont même essayé de le faire sur Wikipédia japonais. Les Japonais ont carrément verrouiller leur Wikipédia pour pas qu'ils touchent. C'est n'importe quoi, quoi. C'est honteux. Alors, l'histoire de Yasuke, vous allez me dire, mais c'est qui Yasuke? Est-ce qu'il a été un samouraï? Pas du tout. Yasuke, c'est un ancien esclave là, du Mozambique qui a été racheté, tout ça, par des jésuites portugais. Vous savez, à l'époque de l'ère Sengoku, les portugais, ils marchandaient, ils commerçaient avec le Japon. Et du coup, Yasuke, il s'est retrouvé là. Et d'ailleurs, j'entends beaucoup dire oui, parce qu'en fait, il est devenu samouraï parce qu'il était noir et c'était le premier noir au Japon. Mais pas du tout. Avant ça, il y avait déjà plein de noirs, en fait. Bon, pas plein, mais il y avait déjà eu des noirs au Japon, en fait. Il y avait déjà eu des esclaves qui sont venus. Donc, c'était pas le premier noir. Et effectivement, du coup, l'esclave Yasuke, là, il était. Alors, c'était pas clair parce que bon. Il y en a qui disent que c'était pas du coin d'esclaves, c'était plutôt un garde du corps des jésuites, parce que bon voilà, il avait fait effectuer des missions en Inde et tout ça. Donc son statut c'est pas très clair, il était peut-être pas esclave, mais il était peut-être garde du corps. Il aurait peut-être fait un apprentissage et tout ça en tant que garde du corps, possiblement. Et ensuite du coup, Nobunaga Oda, qui était un daimyo pendant l'ère Sengoku. Et du coup, qui a élevé au rang de simple vassal Yasuke, qui est passé de esclave, garde du corps, on sait pas trop, à vassal et porteur d'armes pour Nobunaga Oda. Voilà, donc vassal, porteur d'armes. Mais en aucun cas samouraï, le mec qui dirigeait pas des armées, etc. Il était pas samouraï, pas du tout. C'était juste un porteur d'armes, au mieux éventuellement un garde du corps. Au mieux c'est un garde du corps, en tout cas c'était une personne des archives qu'on a qui aimait bien exposer Nobunaga Oda, qui l'appréciait de par sa couleur noire qui était assez rare et tout ça. Donc voilà, ouais, il aimait bien l'exposer, c'était comme un trophée quoi. Et voilà, c'était apparemment un porteur d'armes et le statut qu'il avait c'était vassal. Mais voilà, en aucun cas c'est un samouraï, ça a été inventé par des gens qui ont fait des fictions, etc. dessus, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, ça c'est du grand n'importe quoi, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Voilà. Et du coup, ce qui va me dire, qu'est-ce qui est arrivé à Yasuke? Yasuke, il a duré que 1 mois et demi. Il y a une histoire extrêmement mineure, il y a quasiment aucune archive de lui, etc. Il y a très très peu de choses, il y a quelques archives, mais très peu. Donc on sait qu'il a réellement existé, mais ça a jamais été un samouraï. Et du coup, ce qui lui est arrivé, c'est que à la mort de Nobunaga Oda, du coup, il a été capturé par l'armée de Yasuke Mitsuhide. Et du coup, son vassal lui a demandé, ça a vraiment existé, lui a demandé, mais qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là, de Yasuke? Il lui a dit ça. Et du coup, Yasuke Mitsuhide, donc, a défait Nobunaga Oda, il lui a répondu, mais c'est un animal, il n'est pas japonais. Je le tuerai pas, je vais le enfermer, le mettre prisonnier. Et du coup, ensuite, il a été revendu au marchand portugais. Voilà, il a été revendu au marchand. Voilà, c'est tout. C'est tout.
c'est un personnage extrêmement mineur, quoi. C'est, voilà. Et en aucun cas, bon, il y a une histoire intéressante. Je dis pas que, voilà, mais pourquoi en faire un samouraï et tout ça, ça n'a aucun sens. Ça, c'est ridicule. Et en deuxième personnage, du coup, Ubisoft Montréal, là, ils nous ont fait une femme ninja, quoi. N'importe quoi, ça aussi. Alors, je dis pas que ça n'a jamais existé, hein, les femmes ninja. Hein. Ça a dû exister, mais voilà, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Le terme shinobi, le terme ninja, il est masculin. Donc, pourquoi ne pas nous avoir fait un vrai ninja masculin, quoi. C'est n'importe quoi. Là, on a un truc qui n'a aucun sens. On a un samouraï noir de 2 mètres, de 150 kilos, qui en plus, apparemment, il sera LGBT, homosexuel et tout. C'est quoi le message, quoi? C'est quoi le message? Le message, c'est ouais, c'est trop bien, on va avoir un samouraï noir pour la diversité. Et il sera homosexuel, et c'est quoi le message? C'est on va avoir une relation avec un samouraï natif japonais, tout ça, ouais, c'est énorme, la mixité, tout ça. C'est quoi le message derrière? C'est ridicule, ça n'a aucun sens, et c'est un crachat au visage de l'histoire du Japon, là. C'est honteux de voir ça. C'est honteux, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, un deuxième personnage, on nous fait quoi? Ouais, pour la diversité, tout ça, une femme ninja, alors que c'est masculin, ninja. Ça n'a aucun sens. N'importe quoi. C'est honteux, faut boycotter évidemment ce jeu, qui n'a aucun sens. En plus de ça, apparemment, il y a un ancien scénariste de Ubisoft Montréal qui a dit que, en fait, l'histoire originale n'avait rien à voir. À la base, ça devait évidemment être un samouraï normal, un vrai samouraï. Et l'histoire devait raconter l'histoire de l'arbre de Nobunaga Uda et tout ça. Et la vengeance sur Hattori Hanzo et tout ça. Donc, absolument rien à voir. Une histoire qui était a priori très intéressante et qui a été abandonnée pour ce nouveau scénario LGBT+, qui n'a aucun sens, qui nous raconte l'histoire d'un personnage historique qui n'est pas samouraï mais qui est devenu samouraï par des gens qui s'inventent des fictions. Voilà. Et qui trafiquent l'histoire. Et si on peut. Donc bien sûr boycotter cette merde, faut surtout pas acheter cette connerie, et c'est une honte absolue, voilà.